m'appelle Moussine Bouzouba, je suis pharmacien de profession, amateur de pigeons voyageurs de passion. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les animaux en général, spécialement pour le pigeon voyageur dont je fais l'élevage, et puis je pratique des concours chaque année depuis maintenant 4 ou 5 ans. Bon, mes débuts dans le pigeon voyageur datent depuis pratiquement ma jeunesse. J'ai toujours eu des pigeons voyageurs chez moi. J'ai déjà joué quand j'étais jeune à des concours qui dépassaient les 300 à 400 km. Dans le temps, c'était le maximum qu'on jouait. Et puis j'étais obligé de me séparer de mes pigeons pour finir mes études. Après, à la première occasion, j'ai refait des installations et j'ai choisi quelques races intéressantes pour pouvoir reprendre ma passion de jeu. La remarque que je peux faire par rapport à la colombophilie au Maroc, c'est que elle se développe très 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 vite ces dernières années. Elle avance à pas de géant. Il y a juste quelques années de ça, on avait des problèmes de sélection, on avait des problèmes de santé de pigeons, on n'avait pas beaucoup de, on se renseignait mal sur ce sport colombophile, et puis ça se développe très 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 vite. Maintenant, les gens font plus attention à ce qu'ils ont chez eux comme race. Ils savent mieux sélectionner, ils savent mieux traiter leurs pigeons, ils font attention à l'alimentation, à plein de choses qui font la réussite de la colombophilie en général. C'est un grand pas en avant pour le sport colombophile au Maroc. Comme vous voyez, j'ai des installations assez simples que j'essaye de mettre à jour, et puis chaque jour on essaye d'améliorer ce qu'on peut. On peut voir des problèmes, on essaie de régler les problèmes d'aération, on essaie de régler les problèmes de ventilation, des problèmes de climat en général qui circule à l'intérieur des installations que vous voyez. En parlant de la santé des pigeons en général, ces dernières années, on a commencé à vacciner, chose qui n'était pas très courante au Maroc. On vaccine contre la paramyxovirose. L'année dernière, pour la première fois, on a vacciné contre la paratyphose. On fait la vaccination contre la variole. Et tout ça, c'est bon, c'est très 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 bien, mais c'est tout récent. Ça fait l'année d'avant, j'avais joué avec des pigeons moyens, j'avais fait de très bons résultats. L'année qui a suivi, les résultats étaient moins bons, mais tout ça est dû au fait de l'expérimentation. Donc quand on fait des expériences, on apprend de ses fautes. J'ai essayé d'améliorer au mieux l'installation et les colombiers. Et l'année 2008, espérant que ce sera une bonne année pour tout le monde. Merci.